Alors, chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours dans l'actualité du Barça. Laporta têtu, Ronald Koeman têtu, aucun mouvement durant la trêve internationale. On sera donc obligé de repartir avec la même personne sur le banc du Barça. Même si ces dernières semaines ont été folles au club, avec le débat sur le poste d'entraîneur qui s'intensifie à chaque match qui passait, alors que la pression, elle, montait sur les épaules de Ronald Koeman, sa frustration commençait à apparaître lors des conférences de presse, refusant de répondre aux questions des journalistes, des réponses impulsives, les perfs de l'équipe sur le terrain ne rendaient pas justice au nom sur la feuille, parce que même sans Messi, cette équipe du FC Barcelone se vante de certains des meilleurs talents du football mondial, et pourtant ils offrent à chaque fois de très mauvais résultats. Donc aujourd'hui on verra ensemble les ajustements à faire pour Ronald Koeman, ce qu'il faudra modifier pour changer la donne, et surtout ce que Ronald Koeman doit revoir dans sa manière de faire pour ensuite reprendre le vestiaire qu'il a perdu. Ce sera après l'intro. La défaite en Ligue des Champions face au Benfica de Lisbonne semblait être la dernière pièce du puzzle pour le limogeage de Koeman. Cependant, après deux semaines de discussion, Joan Laporta et son équipe en ont décidé autrement en laissant poursuivre Ronald Koeman sur le banc du FC Barcelone. Et on est obligé de faire avec lui. C'est à lui de prouver son calibre avec une équipe en pleine forme. Parce que depuis très longtemps, on n'avait pas l'effectif au complet. Même si je le dis souvent, Koeman c'est une légende du club. Son engagement et son amour pour le Barça n'ont jamais été remis en cause. Cependant, il a beaucoup de choses à prouver. Et en particulier, l'intégration des jeunes et la reconstruction de l'équipe qui est très importante actuellement à Barcelone. Pour sauver sa tête et rester encore longtemps, même si je le souhaite pas, il devra forcément contourner certaines de ses limites. Premièrement, il doit rendre l'équipe stable et solide. C'est un entraîneur qui a eu tendance à être très instable concernant son approche du jeu. Chaque fois qu'un système semble s'approcher du décollage, il a redirigé l'équipe et c'était son problème au début parce qu'il persistait avec une formation qui n'a pas fonctionné trop longtemps. Il change trop souvent d'approche. Le meilleur exemple pour démontrer ce point est la dernière victoire de Barcelone sur Levante. La formation en 4-2-3-1 avait fonctionné dans l'ensemble. Pas parfaitement, mais on a dominé le match avec aussi beaucoup de chances de marquer et le résultat a été très bon pour l'équipe de Levante, car si la finition barcelonaise était clinique, ça pourrait impacter sur le score et le Barça semblait être à l'aise dans cette configuration. Trois jours après, Ronald Koeman change tout et on s'est rendu au Portugal en étant complètement dépassé par les événements avec la décision soudaine de Ronald Koeman de jouer avec trois derrière. Et ce qui est pire dans tout ça est que les joueurs n'ont appris cela 3 heures seulement avant le début du match, ce qui veut dire qu'ils ne l'ont pas entraîné et c'est très grave. C'est pas des amateurs, ils sont des professionnels. Et malgré un si grand changement tactique, les séances d'entraînement se sont poursuivies en gardant à l'esprit la formation précédente, c'est-à-dire le 4-2-3-1. Au final, on ne sait pas si Koeman est passé par l'école des entraîneurs ou il est juste amoureux de ce métier, parce qu'il y a de ces erreurs. Si tu les fais en tant qu'un professionnel, on doit se poser les questions. Maintenant, pour mieux gérer l'équipe, il doit envisager de s'installer en essayant tout simplement de voir quel est le meilleur système à mettre en place pour que l'équipe soit stable et bien équilibrée. Parce qu'actuellement, on a plus besoin de stabilité que d'autres choses. D'autant plus avec autant de jeunes à ses côtés et à sa disposition, un système ferme gardera l'enthousiasme de cette jeunesse et nous aidera surtout à fonctionner plus efficacement. Et ça permettra aux jeunes de comprendre ce qu'on attend d'eux et facilitera leur croissance dans le jeu et surtout leur développement. Deuxièmement, comprendre la force des médias et l'utiliser surtout à bon escient. Alors, les médias sont une sorte de centrale électrique qui manipulera un individu s'il n'est pas directement manipulé par lui. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais au lieu d'être l'esclave du journaliste et d'affronter ses paroles, Koeman doit tout simplement apprendre à utiliser le journaliste à son avantage, parce que ce qu'on constate est que chaque mot qu'il prononce face à la presse est entendu par les joueurs et laisse à chaque fois une impression plus profonde qu'on peut l'imaginer. Cependant, tout comme l'impression infligée est souvent négative, elle peut être manipulée pour être positive par l'utilisation réfléchie des mots. Le sélectionneur espagnol Luis Enrique, lui par exemple, c'est un maître de la presse, car c'est à travers les médias qu'il fait passer des messages très forts à son équipe. Ses paroles avant le choc Barcelone-PSG en Ligue des Champions résonnent jusqu'à présent. Lorsqu'il disait « Si une équipe marque 4 buts contre nous, nous pouvons en marquer 6 », c'était une déclaration qui non seulement transmettait à la fois de l'énergie et de l'engagement aux joueurs, mais leur montrait la confiance qu'il avait envers eux. Et ça avait très bien fonctionné. Même si depuis, vous le savez, on enchaîne les frustrations en Ligue des Champions, mais c'était un message qui était très fort et entendu par les joueurs. Et le résultat a créé l'histoire. Et d'un autre côté, entrer dans la salle de conférence de presse et distinguer les joueurs qui ont fait des prestations décevantes, en plus de cela publiquement, après une défaite, ça ne sert absolument à rien. Au lieu de cela, un bon manager ferait tout pour encourager l'équipe et ses joueurs qui n'ont pas été performants. Et maintenant, une fois seul avec eux ou avec lui, tu pourras tout déballer et lui faire comprendre ce qu'il doit améliorer. Exactement comme le fait Lucho. Lucho, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Luis Enrique Martinez. Par exemple, après le match Italie-Espagne, lorsqu'il est interrogé sur l'erreur de Pau Torres qui a amené le but italien, il a déclaré que c'était la faute de toute l'équipe et non d'un seul individu. Et quand le concerné entend cela, il n'aura pas peur parce qu'il sait dans sa tête qu'il est protégé. Comparer cela à la décision de Koeman de blâmer publiquement Nico Gonzalez, un joueur qui comprend absolument rien
ivoirien du monde professionnel pour le but de Thomas Lemar. Donc on voit que la différence entre les deux managers est flagrante et c'est un point que Koeman doit améliorer pour reprendre son vestiaire. Et franchement, ça me fait mal qu'il continue, sachant que des jeunes comme Ricky Puig, comme Alex Colliado n'auront jamais la chance avec lui, à moins qu'il change d'avis. Et je pense que c'est inimaginable. Troisièmement, la rotation intelligente. L'utilisation intelligente des ressources disponibles est une condition requise dans le monde du football actuel. Avec la liste interminable des matchs, les matchs à haute pression incessants et le temps relativement inexistant pour récupérer, entre un match et l'autre qui suit, la rotation est maintenant plus vitale que jamais. Ce qu'on a vu l'année passée est que le FC Barcelone a été trop dépendant de certains joueurs, ce qui n'a pas permis des rotations adéquates. Cependant, avec une équipe jeune, cela devient plus vital. Koeman a mis à l'écart quelques joueurs et leur a fourni peu ou pas de minutes dans la campagne. Dans le même temps, il a surchargé certains jeunes et a contribué à leurs blessures. Pedri González, par exemple, il nécessite une prise en charge plus microscopique qu'un vétéran. Il en va de même avec Nico González, Pablo Gavi, Ansu Fati qui revient de blessure et qui n'ont pas atteint la barre des 20 ans. Et quand on parle de Pedri González, il a subi récemment deux blessures et consécutivement, tout était musculaire. Vous pensez que c'est la faute à qui? C'est Koeman. La question brûlante a été le traitement injuste de Ricky Puig qui ne joue jamais et pourtant il a connu sous Quique Setién une demi-saison stellaire. Cependant, il a été complètement écarté par Ronald Koeman malgré le fait que son profil ait désespérément été nécessaire à plusieurs reprises, tout comme Alex Colliado qui a été lui écarté par Koeman. Comme nous le savons tous, on aura une longue saison et surtout ce mois-ci qui sera très difficile. Valence, le Dynamo Kiev, le Real Madrid en plus. Alors que les jeunes comme Gavi et Pedri González sont désormais des joueurs essentiels, la prévention de leur épuisement sera cruciale. Cela peut être réalisé en équilibrant leur temps de jeu avec d'autres joueurs comme Nico González, comme Ricky. Les divergences de Ronald Koeman dans la gestion de l'équipe ne s'arrêtent pas là, car le jeune Youssouf Demir était l'un des joueurs les plus remarquables du Barça lors de la pré-saison. De plus, il a eu un impact positif chaque fois qu'il a été sollicité. Pourtant, son temps de jeu jusqu'à présent ne rend pas justice à ce battage médiatique. Malgré les blessures de nos attaquants, des joueurs comme Philippe Coutinho et Luc De Jong sont passés devant, ce qui est incompréhensible même si De Jong et Demir ne partagent pas le même poste, car l'un est ailier et l'autre un avant-centre. Mais ça ne justifie pas le pourquoi De Jong a plus de minutes que Demir. Ces jeunes-là, je le dis toujours, constituent un noyau solide et c'est avec eux seulement qu'on pourra se relever. C'est pas Piqué qui a tout gagné ou Busquets qui a également tout remporté qui vont faire du Barça une équipe très forte comme elle était. Même si le Sergi Busquets espagnol est totalement différent du Busquets catalan, là aussi on doit se poser des questions parce que Busquets avec l'Espagne, il est toujours le meilleur joueur. Avec le FC Barcelone, il est fantomatique, il doit nous expliquer. Cependant, depuis Oscar Mingueza, Eric Garcia et Ronald Araujo, jusqu'à Demir et Ansu Fati, toute l'équipe du FC Barcelone a besoin d'une surveillance précise et impeccable du temps de jeu pour maximiser le développement et minimiser surtout l'épuisement des joueurs. Ce sera un domaine clé sur lequel Ronald Koeman doit à tout prix se concentrer pour changer la situation actuelle du Barça. Donc, ses idées pourraient l'aider à tirer le meilleur de son équipe parce qu'à mon avis, il n'a plus d'excuses. Il y a Dembélé qui va revenir. Ansu Fati a bénéficié également de 2 semaines d'inactivité. Sergio Aguero s'entraîne avec l'équipe et sera prêt très prochainement. Les jeunes comme Alejandro Balde, Nico González, Ricky et même Iñaki Peña, le gardien, doivent être considérés par Koeman. Maintenant, quant à l'application de ses idées, ce sera certainement une question pour un autre jour. Et en attendant, on va voir ce que va donner les premiers jours après la trêve qui nous a prévu de Ronald Araujo. Blessé lors de la défaite face à l'Argentine, il sera donc indisponible face à Valence ce dimanche. Et une très bonne nouvelle, désormais le stade du FC Barcelone pourra accueillir 100% de ses capacités, ce qui va améliorer les recettes et renflouer les caisses. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas, ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.